champions de Live TV, là où vous avez mille raisons de pouper et décaler sous l'onction divine, recevez l'infalsifiable Willy Dabo. Ça va, ça va. Merci, 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 ça va, merci, merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Yadio, petit, toi, tu es devenu calligraphe maintenant, tu fais les t-shirts. Ça, c'est quoi ça là? Le t-shirt de mon festival. Hein, petit, tu as festival? Le 26 décembre. Petit, tu es arrivé loin, applaudissez pour lui, hein? Ah, petit, est si fier, est si fier. Ouais, la SEC est dignement représentée. Mimo! Ouais. Bon, bref, viens, viens, viens. Ouais, toi, viens. Chier. Non, laisse les sacs là-bas, laisse tout ça là-bas. Mimo. 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 Bonjour mon frère, ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Carton rouge, le vilain vilain. Pourquoi tu mets quelque chose qui n'est pas toi? C'est mon nom. Carton rouge, le vilain vilain. Vilain vilain là, c'est sur ton extrait. Un carton rouge, le vilain, vilain, toi, tu es... Quelques secondes seulement, là, tout au quartier, c'est fort, quoi. Mais c'est ta go même qui sera dégba. Ah, le vilain, vilain, depuis quand? Vraiment, un carton rouge, le vilain, vilain. Qui est nouveau ici aujourd'hui, là? Il y a la jolie dame qui est à côté de moi. D'accord. Si vous êtes nouveau, il y a le frère Pamphile qui va venir vers vous. Il y a une petite collecte et puis après, on va prier pour vous. Les nouveaux venus. Restez ici, c'est important. Allez, mon ami du jour s'est révélé au public à travers des tubes comme Tchoukou Tchoukou, Bobaraba ou encore Batuyo, des titres qui font partie des classiques du coupé décalé, mieux de la musique africaine. Fils de la chanteuse ivoirienne Antoinette Alani qu'on a reçu ici il y a cela quelques jours. Il est souvent salué pour son humilité, oui, vraie humilité, une chose en tout cas qui est rare dans ce mouvement musical-là. Aujourd'hui, homme d'affaires, il n'a pas lâché pour autant sa passion pour la musique. Kedje Vara sera là dans quelques instants seulement pour parler de son nouveau projet musical. Donc vous serez tout à l'heure en mode Kedje Vara attitude. Voilà. À côté de lui, un autre talent de la musique, cette fois du genre gospel, viendra nous parler ici des mille raisons qu'elle a de louer l'Éternel des armées. En attendant donc de recevoir mes invités du jour, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombouéke et Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Bienvenue. La famille, on est de retour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes mercredi et c'est un pur bonheur de vous retrouver sur Live TV 206. Ça, c'était hier. Maintenant, si quelqu'un veut vous dire que c'est 206, dites que c'est plus 206, c'est numéro 6 sur Canal et numéro 6 sur la TNT. Allez, on va retrouver donc l'essentiel de ce qui se trouve à la une de nos journaux à travers la titrologie de Wai. Wai, est-ce que ça va? Tapez dedans. Wai. Est-ce que ça va? Ouais. Yeah. On va commencer la titrologie de Woy Woy. On va donner les informations des journaux. Et préparez-vous à la une, le sort. Le PDCI est là. De bruit comme ça, soufflez un peu, soufflez bon et soyez zen. Hey. Oui, on y va. Allez. La Côte d'Ivoire est faite, les Ivoiriens aussi.
On est prêt, on vous regarde seulement. On vous attend au tournant. Hey, hey. Mais comme on dit les Ivoiriens, on ne s'y porte pas. Mais cette canne, c'est nous on va gagner. C'est nous on va gagner la canne. Sous votre jeune oui. On y va. À la une heure de Pérou. La canne pour la canne, notre ministre, il ne parle pas trop, il agit seulement, c'est la canne pour la canne. Pas trop de pression pour les joueurs, pas trop de pression pour les joueurs. À la une, fraternité matin, lutte contre la violence basée sur les gens. Le gouvernement lève le carton rouge. Bravo, bravo, bravo au gouvernement. Pour ce geste-là, il faut sensibiliser la population contre la violence. La violence, la violence, la violence. Yébélélé, maman, yébélélé, information. Yébélélé, yébélélé, information des journaux. Habitons à crier, habitons à crier. Achetez les journaux, j'ai dit achetez les journaux, maman. Revue de France, j'ai dit achetez les journaux, maman. C'est pas chez ces 200, c'est pas chez ces 300. Si tu veux des informations, il faut acheter ton journal. Les os, les patriotes, RHP, nous, et Fraternité Matin, oh, et achetez les journaux, oui. Hey, gavele, 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 on va y vivre là-bas, gavele. Allez, mangez maintenant, mais l'entrée, merci, que la barre, mais les mélodies, la commande, les mots, la commande, la qui va, moi, la bisoko. La cana botata, la cana bisoto, la cabata, la cota. Abrr, hey, yekebele, yekelele. Oh, mama na ye, bongo, 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 bongo. Mama na ye, bongo, 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 bongo. Walala, 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 milito moye, abrr. Kosomboa. Quelqu'un qui presse ici, là. Tant qu'il vous a pas appelé, là, ne venez pas. C'est quoi? Vous avez compris? T'as vu quoi? C'est là, tu vois, il a dit dans son quartier là-bas. Je m'en vais à Willy, à midi, travail là-bas, à live TV. Tu l'as attrapé, Willy, tu l'as attrapé. Applaudissez pour lui quand même. Yélio, Yélio, il y a vu un de mes gars de la sécu. Il a su Fuentus moto et puis lui, il est corrompu, il vient. Hey! Est-ce que c'est Bolo, est-ce que c'est mon élément? C'est qui ça? On vous donnera la réponse tout juste après la pause alimentaire. Voici la pub, à tout à l'heure. Oui. Hop, la famille, on est de retour sur le plateau du WAP avec un magnifique public. Merci infiniment de nous accorder votre fidélité du lundi au vendredi à partir de 11h30 en direct sur le bouquet canal numéro 6 et aussi sur la TNT numéro 6 et aussi en direct donc sur la page Facebook de Live TV et aussi sur celle de TikTok. C'est Live Talk. Allez, à présent, la vidéo du jour, c'est Hassan Hayek qui a offert des cadeaux à Pancho Legater pour l'accouchement de sa femme. Bon, je ne sais pas si c'est pour le bébé ou bien si c'est pour Pancho lui-même, mais regardez. Le père. Oh ben, Pancho. Le respect. Ça va? Ouais, il était à la maison, tu m'as appelé là, tu m'as dit que c'est Hichem. J'ai vu que ta femme a accouché. Oui, oui, oui. J'étais à Chic Shop aujourd'hui. Mm-hmm. Bon, j'ai payé ton habit. Tu as payé quoi? Ton habit, voilà, ça va pour toi. Pas attraper d'abord, on ne met pas de cadeau. On va les respecter là. Maman, tu m'as appelé, puis il était. Non, tu peux. Il y a quand même ton fils aussi attrapé. Non, vu que toi, tu vas me donner ça dans le cadeau. Regarde. Ça là, ça, je dis, c'est comme le Wabi Azar. On dit que toi, tu vas aller à Chic, toi, t'as pris ça pour moi, mes amis. Voilà, maintenant, voilà pour ton fils. Lui qui est venu au monde là-bas. Voilà. Et puis voilà pour grand-père. Non, tu m'as appelé pour te moquer de moi, mais c'est. Non! Frère, moi, mais il est porté, mais voilà mes habits. Voilà, et puis mes habits, tout ça, ça est ici. Voilà, on a fait les métiers, ça, voilà. Tu vois? Moi, j'allais prendre mes amis. Maintenant, tu es mon frère. Mm-hmm. Il ne pouvait pas ne pas être vu. J'étais regardé. Parce que toi seul, c'est toi qui fais une photo d'identité dans le pied et puis tes pieds sortent dedans. Donc, il se peut. Non, le pied, non. Ah, bel exemple donc de solidarité. Mais Yedio, si Pato va porter. Petit truc que tu lui as donné à Hassan Hayek. C'est que Boris, là, de là où il est, là, on va lui offrir quoi? Allez, la famille, on poursuit avec les pépites. Jingle. Pépite 1, dosez un peu les prix, s'il vous plaît. Pardonnez, do. Zé. Ah, Willy. Hein? Prix de poupée, je vois là. Hein? J'espère qu'elle peut être servante aussi, hein. Ah. Chez nous, à la psychologie, le jour J même là, petit, tu as eu un vélo.
Vélo là n'est pas pour toi. Hein. Dès que tu es sorti, c'est en même temps. Hein, le fils de M. Zoku Prosper qui va venir prendre vélo là. Il va commencer à tourner partout maintenant. Il vient, il a gâté ton vélo. Des fois même M. Zoku même a envie de tester le vélo ici. Lui-même il teste le vélo. Imagine si Bolodi va tester le vélo pour voir si c'est bien. Pépite 2, un propriétaire heureux. Willy, hein? Le propriétaire de maison a envoyé un message au locataire. Il dit quoi? Il dit j'ai reçu le dépôt mon petit. Oh! Joue la musique comme tu veux. Hey. Si un voisin se plaint, dis-moi, il y a courrier à lui. Ouais. Voilà. Si un voisin se plaint. Hé hey, Benny, c'est bon? Benny, c'est bon? Si un voisin se plaint, dis-moi, il y a courrier à lui. Il y a courrier à lui. Mesdames et messieurs, bébé sans ce pouvoir s'il y a là. Bébé sans ce pouvoir, tiens, applaudissez pour lui. Bien. Mais la partie de Lucas Casca, la partie de Lucas Casca. La partie de Lucas Casca. Il est vraiment beau. Attends. Toi, les autres, c'est être sosie de Francis Ngannou, de Didier Drogba. Toi, c'est sosie de Bébé Sans Démon. Non, mon vieux. En fait, je ne suis pas une sosie de Bébé Sans Démon. Toi, tu es sosie de Obama. Ouais, avant. Mais aujourd'hui, je fais la musique aussi. Mmh. Voilà, je m'appelle Mpiko. Il y a mes hits, il y a mes chansons. Voilà. Vu qu'actuellement, l'homme n'est pas trop en temps, n'est pas trop connu. Non, tu essaies voilà, de faire ça pour être un peu. Pour avoir plus d'abonnés, pour pouvoir. Non, mais tu es. Tu as revenu faire démonstration. Tu as couru aujourd'hui jusqu'à. Voilà, je suis pas venu seul. Je suis venu aussi avec mon équipe. Ils vont venir tout à l'heure. Et tous. Après, d'accord. Si vous pouvez le permettre. On va essayer de rester aussi sur nos sons. Bon, ce qu'on va faire, dans la semaine prochaine, vous allez venir jouer sur votre son ici. Okay, mais aujourd'hui là, tu as resté ici, t'as fait, il est vraiment beau là, tu vois. Tu apprendras. On applaudit pour lui, va remettre bien ton ventre. Bah, faut tuer ce qu'il y a dedans et puis tu manges encore, ça a gonflé. On applaudit Boyer Sans de Koumassi. Ça là, je sais que Boyer Sans demain va m'appeler tout de suite. Allô Olivier. Jamais. Allez, la famille, on poursuit. Pépite 3. Quand ta gueule n'habite pas loin, hein? Avantage, elle peut venir à tout moment. Et puis tu la serres dans tes bras. Voilà. Inconvénient, elle peut venir à tout moment. Et puis là, il y a drap. Ah. Mais c'est ce qu'on appelle un couteau à double tranchant. Chant. En tout cas, célibataire, courage et force à vous. Pépite 4, un futur papa immature. Hâte d'être papa dès. Il est pressé d'être papa. Prendre mes enfants à l'école. Il va prendre ses enfants à l'école. Savoir s'ils veulent du KFC. Il va leur demander s'ils veulent le KFC. Les entendre crier oui. Les enfants vont eux aussi sur contact. Oui, ils savent pas que la vie est difficile. Oh. Et répondre. Et puis il va répondre quoi? Yari, sauce aubergine à la maison. Vous allez manger ça. Ah, c'est papa. Le papa, excuse-moi, mec. Non, le vieux. T'es mauvais même. Et puis c'est couché. Hein. On dirait que vous avez souffert comme ça aussi dans votre vie. Hein. Les amis, dites-moi, toi, on te donnait bas ou un couché? Suivant. Suivant ou bien souvent? Non, lui là, c'est pas un baoulé. C'est un gagou. Hey, on dit souvent, il dit suivant. Hey, ouais. Oui, il faut savoir qui tu marches. Hein. Hein, vraiment. Allez, pépite 5 maintenant, ça atterrit. Pépite 5. Ouais. Willy! Hein? Il dit. Quoi? Ils savent bien que je dors au salon, hein. Eux, ils savent que moi, je dors au salon. Mais ils vont encore prendre un sapin de Noël pour m'encombrer. C'est quel comportement ça, là? Vous voyez que moi, je dors au salon. Et puis, vous partez prendre un sapin de Noël pour venir m'encombrer. Ça veut dire quoi? C'est un salonnier. C'est une manière de le quoi?
Ah, on va écouter quelqu'un qui est expert en dormir dans le salon. C'est une manière de quoi? De le chasser. De le chasser. Oh, il n'a qu'à aller prendre sa maison. Toi, comment ils t'ont chassé? Qui? Ah, il dort sur la natte souvent. Il dort sur la natte. Donc toi, tu es un natteur ou bien si c'est une femme, on dit Nathalie. Et toi, comment ils t'ont chassé? Moi, ils m'ont pas chassé. Hein. Aujourd'hui, il y a ma chambre, donc tranquille, il dort tranquillement. Yeah. Dans ma piste. Ouais, lui, là, à côté. Et toi, comment ils t'ont chassé? Tiens, le vieux, non, ils m'ont pas chassé. Hein. Ouais, le frère, comment t'as chassé, à lui, là? Bon, moi, ils m'ont chassé un balai. Allez, tous les balais du quartier, ils ont pris et puis ils ont déposé où ils dorment. Vraiment, le salon même n'est pas grand. Mais c'est là-bas où vous allez acheter sapin de Noël. Papa Noël même, là, il ne vous connaît pas. Est-ce que toi, il y a des sapins chez toi, petit? Hein? Petit, il ne faut pas jouer à nous. Hein. Tu as combien de sapins? Deux sapins. Un pour toi? Puis un pour les autres. Et puis un pour qui? Pour les autres. Les autres, c'est qui? Oh, la famille. La famille, c'est qui? Et là, il est bon Dieu. Lui, là, regarde toi. Hein? Moi, j'ai pas dit sapin. Pourquoi? J'aime pas. Mais lui, il est bizarre. Eh, les amis, j'ai oublié de vous dire, hier, je suis allé, ils sont allés faire des tatrages de mes dents. Et puis, en même temps, ils ont commencé le processus pour blanchir mes dents. Donc, depuis hier, quand je sors, ils rentrent à la maison. C'est quoi? Eh, tu t'as à la boutique maintenant. C'est sûr que tu dis, Diallo, donne un chic. Diallo, c'est comment? Eh, hey, Yassik! Tu fais tout, tu t'arranges à ce que tous ceux qui sont et puis tes dents sont affichées là. C'est ça que tu dis maintenant. C'est comment? Mes dents sont blanches. Bonjour. Bonjour, ça va? Bolo, toi, t'as besoin de toi même là, on prend Javel, hein, tu... Hé, hey, la famille, voici la faux bête. Alors... Didi Bé, Kérosène et Kaes Blum reçus par la première dame. Oh! Les chanteurs Didi Bé, Kaes Blum et Kérosène ont été reçus hier mardi 12 décembre par la première dame, Dominique Ouattara, à son cabinet. Ils sont allés présenter leur trophée glané récemment, mais aussi partager leur engagement dans l'humanitaire à travers donc leurs fondations respectives. Partageant leur actualité, bien sûr, Kérosène a présenté son nouvel album, Puissance 10, et Kaes Blum a invité la première dame à son concert du 17 décembre prochain. Voilà, ils ont en outre tous les trois indiqué qu'ils seront présents gracieusement au prochain Arbre de Noël de la Fondation Children of Africa. Madame Dominique Ouattara a traduit sa fierté et ses remerciements à l'endroit donc des trois ambassadeurs de la musique ivoirienne. Elle a dit « Je suis fière de vous pour tout ce que vous faites. Le fait de faire de l'humanitaire est quelque chose qui me touche vraiment. Bon, » c'est ce qu'a dit la première dame. Et on applaudit pour ça, s'il vous plaît. Et sur sa page Facebook, Kaes Blum a exprimé sa joie d'avoir réalisé un rêve. Alors, il dit que c'est un rêve d'enfant qui se réalise, être reçu officiellement par son Excellence, l'honorable, l'admirable, la première dame de mon pays, Madame Dominique Ouattara, moi, un ancien petit bandit de Yopougon, MDR. Vraiment, Dieu élève, Dieu positionne, Dieu est bon, mes frères. Voilà. Donc, félicitations, les gars. Je vous attends ici pour le vrai débrief de cette histoire, parce que Kaes, tu sais que quand tu as donné 4, là, la première dame ne va pas venir. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça. Mais respectez les devanciers, parce que nous, on a eu la chance d'aller là-bas depuis des ans. Tu te rappelles, non, petit? Quand je suis parti, ça dit, la première dame, quand tu t'en as salué, tu t'en vas comme ça. Ça dit, tu dis, hé, hey, je respecte la tante. Mais quand tu ressors, c'est comment? Oh, d'accord. Eli, hey, tu t'en vas, tu pleures, mais quand tu ressors, t'es là, tu es dans la joie, une joie. Oh. Eux-mêmes, ils savent que la première dame va dire, oui, vous pouvez venir jouer à l'Arbre de Noël, mais fossé. La tante, là, quand tu dans la voix, tout est, ça a sorti. Non, moi-même, il faut qu'il y aille ressaluer encore la mère. Effectivement. Voilà. Ouais, il va aller là-bas. Ouais, mais si tu me suis, tu vas pas faire wow là-bas. Didi Bé fait un don de 3 millions de francs CFA à la fondation de la première dame. Hey, Didi! Ouais. Alors,
À la faveur de la visite à la première dame, Didi B a profité donc pour faire un don de 3 millions de francs CFA à la Fondation Children of Africa, un geste de l'artiste pour contribuer aux actions en faveur des enfants. Donc de nombreux fans ont salué le don de Didi B en commentaire sur Facebook. Dans 2 ans, on ne pourra plus le comparer à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il est trop rapide. Voilà. Tu viens de prouver aux yeux de tous que tu es un champion, l'artiste. Voilà. C'est ce qu'on pouvait lire un peu ça et là dans quelques commentaires. Bon, certains n'ont pas hésité à comparer ce don de Didi B à la première dame aux millions offerts à l'époque par Alpha Blondie à feu le président Félix Houphouët-Boigny. On espère en tout cas que l'histoire va se répéter jusqu'à la fin. Voilà, donc en tout cas, merci à Didi B pour ce don en faveur des enfants là. Puisse Dieu te le rendre au centuple. Yannick Gourou récupère le Cam Tchin Tchin. Dans un communiqué rendu public hier mardi 12 décembre, le comité interurbain de Tchin Tchin, CITT, a annoncé avoir obtenu la labellisation du Tchin Tchin auprès de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc depuis le 1er septembre 2023, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle lui a délivré donc le brevet et certificat d'enregistrement de la marque sportive Tchin Tchin dans la classe 41 sous le numéro 13-29-78. Donc cette protection l'a fait désormais l'interdiction au tiers, l'utilisation donc de cette marque la sportive sans l'autorisation de son titulaire qu'est le CITT, tant en Côte d'Ivoire que dans les 16 États africains membres de l'OAPI. Cet arrêté fait du tournoi Tchin Tchin donc la propriété à part entière du CITT. En d'autres termes, 13 CAM et voilà, donc leurs partenaires n'ont plus le droit d'organiser le Tchin Tchin, sous réserve donc de poursuites judiciaires contre les responsables de cette forfaiture. C'est comme ça que ça a été écrit. Donc c'est ce que précise donc le communiqué. Selon Yannick Gourou, président du CITT, cette information est parvenue officiellement à la structure 13 depuis le 27 novembre 2023. Donc pour l'heure, il n'y a aucune réaction de la structure 13. Affaire à suivre donc. Voilà. Ouverture des points de vente des tickets de la CAN 2023. Wow! Le COCAN, Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a rendu public hier les points de vente physiques des tickets des matchs de la compétition. Ce sont Abidjan, ce sera à Place Cocody. Voilà, donc on a Abidjan, Place Cocody. On a la Palmeraie et puis Place Cocody, Place Palmeraie et Place Marcory, la poste de Port-Boué et la poste de Yopougon-Siporex, Boaké, le centre culturel Jacques Aka, l'Oriental en France, en face pardon, du tribunal et la préfecture de région. À Korogo, la direction des sports et la sous-préfecture. À San Pedro, le Sporké privilège et la direction des sports. Yamoussoukro, Fondation Félix Houphouët-Boigny, Boigny et puis donc la sous-préfecture. Les points de vente sont ouverts à partir d'aujourd'hui, mercredi 13 décembre, à partir de 13h. Donc dès que WAM finit net, courez vite prendre vos tickets pour vivre les matchs d'un temps ce moment donc, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ici, la CAN de l'hospitalité. Allez la famille, Noël avec Fally Ipupa. Fally Ipupa sera à Abidjan pour 2 grandes dates, un concert VVIP institutionnel le 23 décembre à l'Hôtel Ivoire, Sofitel Hôtel Ivoire, et le 24 décembre donc à l'Ivoire Golf Club. Pour cette 2e date, là, plusieurs personnalités ont décidé de permettre au grand public de s'offrir des tickets à moindre coût, je dirais même gracieusement. Ce sont notamment la présidente du Sénat, Madame Candia Camara, qu'on va applaudir. Le ministre des Transports, notre Koro, M. Amadou Koné. La ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasséneba Touré. Ainsi que l'international footballeur Gervinho, pour ne pas dire Yao Kwasi Gervais, que je vous demande aussi d'ovationner très fort, s'il vous plaît. Merci infiniment à vous, très chers. Autorités, merci du fond du cœur pour ce magnifique geste-là. Notons surtout donc que Fally Ipupa va profiter en même temps avec, bien sûr, ses autorités-là autour de lui pour, de cette date-là de concert pour mener de belles actions sociales en Côte d'Ivoire, donc en faveur des personnes démunies. Merci à Madame la ministre Nasséneba Touré, merci aussi à Monsieur le ministre Amadou Koné, merci surtout aussi à Gervinho, merci infiniment à Madame Candia Camara, présidente donc du Sénat, qui ont accepté d'offrir le concert donc de l'Ivoire Golf Club à plusieurs jeunes de Côte d'Ivoire. Je pense que ça a pu dire attention. Merci beaucoup. Et puis surtout, n'oubliez pas le festival de notre très cher Marco Denon. Wouh! Le festival de Marco Denon, c'est prévu donc le 26 décembre prochain à partir de 16h20 jusqu'au matin. C'est-à-dire que le lendemain, tu ne viens pas travailler. C'est ça, non?
Ça va venir. Petit, il ne faut pas porter lunettes noires ici. Hein. D'accord. Il sera là, il y aura du monde. Il y aura les meilleurs artistes du moment. Fior de Bior, La Diaco, De Perpignan, Ariel Chéné. Il y aura du beau monde, Sasuke. Il y aura aussi oui, Landry Blessing. Et ils seront là-bas nombreux en tout cas. Allez, les tickets sont déjà en vente pour le grand public au prix de 2000 francs CFA. Les tickets VIP, 5000 francs CFA. C'est Yopougon, donc n'ayez crainte, il y aura tout ce que vous voulez, Bawentou et autres. Voilà. 07 09 35 25 94. 07 09 35 25 94 01 61 25 59 33 01 61 25 59 33 ou 05 85 48 02 47 05 85 48 02 47. Allez la famille, on poursuit avec l'agenda. Dans mon agenda, on parle du concert de la fraternité ivoiro-marocaine. L'ambassade du Royaume du Maroc à Abidjan organise le vendredi 15 décembre 2023, c'est-à-dire après-demain, le premier concert de la fraternité ivoiro-marocaine. Ce sera au parc des expositions d'Abidjan avec Magic System, Douzi, Gian Bougrine, Ahmed Sultan, Kérosène, Mola, Rabounidal, José, Baby Philippe, Kajim, DJ MKA et DJ Vogis. Le tout animé bien sûr par Wallace et votre humble serviteur. L'objectif principal de cet événement-là est la collecte de fonds au profit donc des sinistrés du tremblement de terre qui a frappé la région de Al Aouz le 8 septembre dernier. Tickets en vente au prix de 100 000 francs CFA pour les officiels, 50 000 francs CFA pour les VIP, 30 000 francs CFA pour les premiums et 15 000 francs CFA pour le grand public. Le concert, il faut le noter, est sous forme de téléthon et sera retransmis en direct sur Live TV. Les revenus des tickets et du Téléthon seront reversés en intégralité au gouvernement marocain afin de soutenir les victimes du séisme. Le numéro Move Money pour la réception de vos dons, c'est plus 225 01 50 54 54 54. Plus 225 01 50 54 54 54. Allez, on poursuit toujours dans mon agenda, cette fois-ci pour parler donc du cinquantenaire des cités Sikoji de Kumasi. Les Sikoji 1, 2 et 3 organisent leur cinquantenaire du 13 au 17 décembre 2023. Ce sera au complexe Agora Kumasi-Sikoji. Au programme Opération Sikoji propre, journée scientifique, échange intergénérationnel, dépistage de tous ordres, activités socio-culturelles et sportives, avec bien sûr un concert live avec les meilleurs artistes du moment. Info line 07 47 75 00 00. 07 47 75 00 00. Bonne fête à tous. On poursuit avec le Béret Festival TD2 Group. En collaboration avec son partenaire officiel Solibra, organise la première édition du Béret Festival à Grand Bérébi. Voilà, ce sera donc du 15 au 17 décembre prochain, donc à partir de ce vendredi déjà jusqu'au dimanche, en face de la mairie de la dite ville. Au programme, des visites touristiques sur la piscine naturelle de Tabaoulé, des rencontres avec les singes sur la rivière Néro, des chutes d'eau, sans oublier bien sûr les maquis géants, les animations que vous aurez, les expositions et bien sûr tous les autres, toutes les formes de loisirs. Une tombola va vous permettre aux participants de repartir avec un frigo, un mixeur et un terrain. Je pense que ça s'applaudit déjà, s'il vous plaît, un terrain. Donc venez nombreux au Béret Festival pour découvrir les merveilles du pays Crou dans toute sa splendeur. Info line 07 10 25 71 94. 07 10 25 71 94 ou 05 97 51 40 60. 05 97 51 40 60. Allez la famille, on marque une pause et tout juste derrière, on va recevoir notre premier invité. À tout à l'heure. Et hop, on est de retour sur le plateau de WAP aujourd'hui. Nous sommes mercredi 13 décembre 2023. Celle qui nous rejoint à présent a mille raisons de louer le Seigneur Dieu et elle a décidé de partager ces raisons-là à travers un single. Elle vient nous le dévoiler en exclusivité publique de WAM, s'il vous plaît. On accueille avec des ovations bien nourries la sœur Eunice Loïs Nda. À quoi va Loïs, comment ça va? Bisous. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Loïs Nda. Wouh. Bienvenue. Loïs Nda qui est avec nous. Merci infiniment, Régie. Merci. À quoi va Loïs, comment ça va? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonjour à tout le monde aussi, si vous allez bien. Je sais que la télé n'a plus de secret pour toi parce qu'on te retrouve tous les vendredis donc avec l'équipe des magnifiques, charmantes femmes dans... Oui, dans, le New dans, Life, ouais, l'émission New Life. Du vendredi, bien si, sûr. Si, du vendredi, je vais vous demander d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et on adore surtout ton blanc, c'est signe de pureté aussi. Oh, merci, voilà. Merci beaucoup. Tu nous dis que tu as mille raisons de louer l'Éternel. Déjà, pour la petite info, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la grande sœur, donc si je ne m'abuse, de votre chante préférée, Morija. Voilà. C'est sa grande sœur qui est là.
Donc, c'est sa jumelle, on va dire. Mais elle est sortie avant elle. C'est elle qui a cherché à me ressembler, je ne comprends même pas. Directement. On lui fait plein de bisous, en tout cas, Morija, si tu nous suis. Voilà. Ouais. Alors, dans la famille, on va dire que c'est une véritable histoire d'amour hein, avec... Avec la musique. La musique, effectivement, oui, notamment le gospel. Maman, papa un peu la guitare. Ouais. Et a fait tous les frères, tout le monde chante, par la grâce de Dieu. Et musicien aussi. Si, si. Ouais, donc musicien la musique, aussi, c'est dans la famille. Ouais. Très bien. Mille raisons de louer Dieu, mille raisons de louer Christ, mille raisons de louer Jésus. Mm-hmm. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie ? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de tes proches afin Willy. Ouais. C'est juste extraordinaire ce que le Seigneur a fait pour moi. Mm-hmm. Moi, je dis juste que je suis une pure, je suis la grâce de Dieu, je suis le produit de la grâce de Dieu. Et en fait, pour me rappeler un peu du verset de Marc 7, verset 33, où le Seigneur Jésus, de façon extraordinaire, guérit un soumier qui avait été envoyé par la foule. Ce soumier-là, Jésus lui dit, viens à côté, c'est comme s'il le prend dans le secret, et il fait pour lui quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est qu'il le guérit de sa surdité et du fait qu'il soit muet et tout. Mmh. Et après ça, ils se mettent à parler. Ouais. Et Jésus lui dit, ne dis à personne. Rejoins la foule, mais ne dis à personne. Mmh. Et le sourd-muet, entendant le maître lui dire de ne rien dire, n'a pas eu la force de se taire. Ouais. Parce qu'à la réalité, il n'avait jamais pu voir, il n'avait jamais pu entendre. Ouais. Et si pour la première fois, il voit et il entend, il ne peut pas se taire. Mmh. Et lorsqu'il est parti dans la foule, il s'est mis à dire à la foule ce qu'il venait de vivre. La foule était dans l'émerveillement. Si. Et la foule a dit une chose, il fait toutes choses à merveille. À merveille, effectivement. Et parce que pour moi, il a fait toutes choses à merveille. Je dis, 2023 a été une année super par le Seigneur Jésus-Christ. Et je dis, il y a plusieurs personnes aussi qui ont vécu, qui ont des histoires extraordinaires à nous raconter avec le Seigneur. Ouais. Je dis, pourquoi pas, Seigneur, mille raisons de t'adorer. Et ce chant, il n'est pas venu cette année. Ouais. C'est depuis fin 2022 que ce chant, il résonne dans mon cœur. Wow. Et c'est en fin 2023, je dis, je vais le chanter pour tout le monde, pour que quelqu'un se souvienne que Jésus-Christ a été merveilleux pour lui durant toute cette année. C'est beau en tout cas de l'entendre forcément, je vais vous demander de l'applaudir. Wow. Et justement, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne savent pas ce que ça donne, donc Lucinda, quand elle chante, on a un extrait, regardez. Son nom, c'est celui qui m'apporte la paix. Quand je suis abattu, tu me donnes ta joie. Non, 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 non. Oui, ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, oui, c'est le roi qui revient. Wow. C'est fort, c'est puissant, c'est laissé entraîner là. Là, c'était donc une session live donc, sur la chaîne LMTV. Voilà, on fait un gros coucou donc, à M. Gollet, c'est cela. LMTV, tu ne savais pas qu'on avait ces images-là, en fait. Je ne savais même pas, là, je suis très surprise. Justement, mille raisons. En tout cas, en tant que jeune aujourd'hui, c'est important pour toi. Je ne vais pas dire hypothéquer ta jeunesse, mais de l'utiliser à bon escient. C'est ça. Voilà, au profit. Moi, pour donc, moi, c'est la meilleure façon de vivre sa jeunesse. Si. Ouais. Parce que souvent, on se dit, ah, vivre sa jeunesse, c'est aller dans les boîtes, c'est sorti, et puis mourir à 30 ans. Si. Ou encore mourir à 33 ans plus tôt et tout. Alors qu'on a tellement de choses que Dieu investit en nous. Et on a toute la vie pour l'expérimenter. Donc, pourquoi pas être patient, être consciencieux et arriver jusqu'au bout. Wow. C'est vraiment le message que je partage avec la jeunesse. Et justement, sur mille raisons donc de le louer, mille raisons de louer l'Éternel des armées, tu as bossé avec qui exactement ? Avec des arrangeurs d'ici ? J'ai travaillé avec Élisée Nimavo. D'accord. Que je connais très bien, qui a bien voulu m'aider sur le projet, avec aussi Badiel, d'accord, qui a fait le master, le mastering, c'est ce mastering, qu'on dit. Mastering, on va dire, mais master aussi, ça passe, Voilà, donc il a fait ça bien, et moi, c'est moi qui ai composé la mélodie et tout, par la grâce du Seigneur. Voilà. Est-ce que souvent tu aides aussi ta sœur, je veux dire, dans ses écrits où chacune Laisse s'inspirer. Morija, elle, écrit, c'est... Depuis qu'elle est petite, elle a ce truc. Moi, c'est vrai que de temps en temps, j'écris, mais... On arrive tous à écrire, mais elle a vraiment une particularité dans ses écritures. Est-ce à dire que là, maintenant, tu déclares officiellement donc, ton entrée. Je sais que tu chantes régulièrement pour Christ, mais tu déclares officiellement aux yeux de tous que tu assumes cette casquette-là de chantre, et qu'à partir de ce jour-là, maintenant, tu auras d'autres œuvres encore qui viendront. Par la grâce du Seigneur. Je le disais comme ça, le but, c'est
Tu sais, quand tu as été travaillé par le Seigneur au cours des années, au fil des années, et que tu te rends compte que mais, tu as ce talent-là, tu peux aussi apporter ta petite pierre à l'édifice dans l'édification du peuple de Dieu, encore pour amener les âmes à Christ. Tu ne laisses plus passer le temps. C'est ça. Si cette œuvre, c'est une première. Pour, parce que j'ai, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup d'abonnés maintenant. Donc merci. Je lui ai dit, ah, écoutez ça un peu, ça va vous donner un peu un petit chant pour les fins d'année. Là. C'est notre petit hymne. Ouais. Mais après ça, par la grâce de Dieu, je fais sortir d'autres des covers, mais aussi d'autres chansons aussi d'autres qui m'ont été inspirées. Par la grâce et même aussi un album, et même pourquoi pas aussi des EP et autres. Bientôt, j'en suis sûr, certainement aussi, donc un palais de la culture, peut-être même un parc des expositions. Oh Seigneur, que le Seigneur soit béni, nous le bien qu'on te souhaite en tout cas. Oui, c'est tout, voilà. C'est tout bien. Mais s'il te plaît, n'oublie pas que tous les vendredis, tu es ici à l'antenne. Non mais attends, je suis à l'antenne, attention. Voilà. Quand même. New Life, c'est l'émission du vendredi soir. Vendredi et c'est soir, effectivement. Et vendredi soir, il ne faut pas l'oublier. Justement. Mais là, tu es là en tant que conductrice de louange et d'adoration. On va essayer de découvrir ça maintenant, voir ce que ça donne. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Loïs Nda. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Aujourd'hui, devant Sa Majesté, j'ouvre mon plus beau trésor. Majesté, moi j'ouvre mon plus beau trésor. Jamais je n'ai autant le cœur ému devant tant de privilèges et de grâces. Car Jésus, tu es ma providence. S'il vous plaît, pour ovationner. Quelle voix, quel talent.
Il faudra donc désormais compter avec Loïcinda sur la scène de la musique gospel africaine. À partir donc de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu as un message encore à l'endroit de tous tes fans? On est tous émerveillés. Franchement, moi, tu m'as bluffé au nom du Tout-Puissant. Franchement, je te dis bravo encore. Félicitations. Félicitations. Qu'est-ce que tu as à dire, Loïc? Alors, le message, c'est que c'est les fins d'année. Prenez vraiment soin de vous. On connaît plus ou moins en Afrique. Hein, quand on dit fin d'année, on sait ce que ça signifie. Ouais. Donc, c'est vrai que tu dis merci au Seigneur, mais il faut que tu sois aussi vigilant. Mmh. Reste dans la présence du Seigneur. Et puis, je pense qu'on a un bon chemin à faire, un bon voyage à faire ensemble jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci infiniment. Allez, on va marquer une pause et puis derrière, on va retrouver donc le Zour en polio, Kapopé la momie, que Djivara sera avec nous. À tout à l'heure. Hop. On est déjà de retour sur le plateau de WAM. Vous nous suivez sur Live TV, numéro 6 du bouquet Canal 6 de la TNT. On va retrouver à présent mon ami du midi, Jingle. C'est l'un des meilleurs faiseurs de coupés décalés. Après avoir été au début du mouvement lancé par Feu Duxaga, il a su garder une constance musicale qui fait de lui l'un des dinosaures encore en activité. À côté de sa nouvelle passion pour l'immobilier, il trouve toujours le moyen de sortir des tubes. Pour les mélomanes, normalement, il vient aujourd'hui pour nous présenter donc son nouveau bébé sonore, baptisé KJ Varatitude. Wamiens et Wamiens, on fait du bruit, s'il vous plaît, pour le caporal chef Zour en polio, le maître qui dit bas, KJ Vara. Wouh! À quoi va KJ? Yeah! On a gagné, on a gagné, oh, on a gagné, on a gagné, oh, on a gagné, yeah, oh, on a gagné, on a gagné, oh, on a gagné parce que nous sommes ivoiriens, on a gagné, nous avons un beau pays. Éléphants de Côte d'Ivoire au bébé, tous unis pour te faire rayonner. On a gagné, 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 on a gagné. Je dis on a gagné, laissez un fait de ballon là, c'est trop petit. On a gagné, c'est parce qu'on a la joie de vivre. On se gagne, gagne. On n'aime pas parler, on aime attachement, on aime la joie, et on aime danser. Et ivoirien, et tu danses, oh mon Dieu, tous unis autour du drapeau, bébé. Ivoirien, au moins un ami ivoirien dans ta vie. Le peuple le plus joyeux et le plus béni de Dieu. Levez les mains pour les Ivoiriens. Faites du bruit pour la Côte d'Ivoire. Babi, chez nous en Côte d'Ivoire, y'a beaucoup de mousseaux. On dit clama, clama, ce sont les plus belles femmes d'Afrique. Oh, toujours bien habillées. On dit clama, clama, elles sont toujours bien parfumées. On dit clama, clama, et voilà, beauté sur nous maintenant. On dit clama, clama, beauté de femme ivoirienne, ça qu'on n'est pas. Nous la saignons, on a les jolies femmes. On a gagné. L'hospitalité, c'est notre café cacao. Tu peux manger à chez de poua poua, à loco poua poua, sauce graine poua poua, même foufou poua poua. Chez nous là, opposition et majoritaire font la paix pour le pays. On a gagné, on a gagné, on a gagné, yeah.
ivoirien, c'est une grâce. Cultivons la paix comme notre café cacao. Fais du bruit pour la Côte d'Ivoire. Si tu as un ami ivoirien, alors lève les mains. Merci infiniment d'être là. Wow. Hey, les amis, s'il vous plaît, c'est le public le moins chaud que j'ai connu depuis que je fais cette émission. Ah. Mais là, vous n'êtes même pas encore à 10%. Franchement, c'est toujours un bonheur de te recevoir sur le plateau de WAM. Ce qu'on va faire, il a prévu du lourd pour vous aujourd'hui, Kedje Vara. On va te permettre d'aller te changer. D'accord. Et puis de revenir ici pour qu'on puisse égrener, donc bien sûr, cette richesse sonore-là. Yep, Kedje. Mais derrière les amis, pour vous, merci. Bon, les gars, quand on vous cherche aussi pour crier, vous ne criez pas. C'est quand on veut parler, maintenant vous êtes en train. Allez, je viens ici chercher donc le président du CNSE qui vient maintenant ici pour lancer la mobilisation donc autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous le savez tous, les éléphants de Côte d'Ivoire vont accueillir la Coupe d'Afrique des Nards. Et le président du CNSE est là, avec nous. Bonjour, président. Merci infiniment d'être là. Merci. Wow. Je vous donne ce micro, président. Et les amis, on va montrer que nous aussi, ici, on adore le CNS, on adore soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. 1, 2, 3. Merci. Yep. Bonjour, président, comment ça va? Bonjour, Willy, ça va. C'est ça un va. Honneur de vous recevoir ici sur le plateau de WAM. C'est partagé. Merci infiniment d'avoir choisi donc ce plateau-là pour sonner l'appel à la mobilisation donc autour de notre équipe, autour donc bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est clair, il y a les éléphants de Côte d'Ivoire, mais il faut aussi soutenir donc l'action donc de l'État, l'action aussi de la CAF, bien sûr, qui a accepté qu'on puisse héberger cette énième Coupe d'Afrique des Nations ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci beaucoup. Je voudrais déjà saluer tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir, merci. Merci. Merci, c'est bon. C'est bon. Merci. C'est bon. Bon, les gars, vous allez crier jusqu'à la fin de l'émission. Hein. Mais on espère que ce n'est pas les supporters des 1 à 0, 1-1, et puis après, maintenant, on commence à vous décourager. D'accord, ça va. Allez. Okay. Allez, président. Merci, Willy. Merci, Willy. Nous disons déjà merci au chef de l'État qui est le patron du CNSE. Mm-hmm. Le CNSE est une structure de l'État de Côte d'Ivoire. Ouais. Donc le chef de l'État lui-même, son Excellence Alassane Ouattara, en est le patron. Mmh. Donc le gouvernement a fait sa part en nous offrant ces joyeux de stade. Aujourd'hui, c'est à nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est à nous, citoyens ivoiriens, de faire notre part. Ici. La FIFA est en train de faire sa part en préparant notre équipe. On la voit monter en puissance et nous sommes sûrs que avec l'apport des supporters du 12e homme, la coupe restera en Côte d'Ivoire. Forcément. Et nous comptons sur vous. La coupe restera en Côte d'Ivoire, effectivement. Alors donc, nous avons sonné la mobilisation. Ouais. La mobilisation continue. Et nous comptons donc aujourd'hui, nous venons aujourd'hui à Live TV avec Willy, dire à tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui aiment Live TV. Mmh. Mais surtout les éléphants. Ah oui. Yeah. À tout ce monde-là, d'être avec les éléphants de Côte d'Ivoire, d'être avec le CNSE qui est la fêtière de tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire pour que nous poussions notre équipe à lever haut le drapeau ivoirien. C'est cela. Je voudrais dire à tout le monde, dans notre hymne national, il y a deux mots. Ouais. L'hospitalité. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Et donc, nous allons recevoir l'Afrique, que dis-je, nous allons recevoir le monde. Il faudrait que ce volet hospitalité, puisque la CAN s'appelle la CAN de l'hospitalité, nous le démontrons par notre attitude, par notre comportement. Ouais. Ensuite, il y a un autre mot dans notre hymne national où on dit « Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. » Si. Là, le pays appelle tout le monde. Mon frère, ma sœur, la Côte d'Ivoire t'appelle. Ouais. Le pays t'appelle. Le drapeau t'appelle.
Les éléphants ont besoin de toi. Soyez donc avec le CNSO pour pousser nos éléphants. Effectivement. Parce que cette troisième étoile, c'est à cette canne-là que nous allons la décrocher. Yeah. Est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que, si par exemple, même je suis là, je ne sais peut-être pas chanter, je ne sais peut-être pas jouer du djembé, faire du djembé et autres, mais que je veux avoir le maillot du CNSE, avoir l'écharpe du CNSE pour m'associer déjà au groupe, pour ne pas dire le Gbonyi, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, oui. Au Gbonyi, est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Comment est-ce que je peux avoir une carte, par exemple, et toutes ces personnes aussi pour aller soutenir avec vous les éléphants de Côte d'Ivoire dans nos stades et partout? Partout en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Nous avons signé un partenariat avec l'UVIC aussi. Oui. Vous savez que la compétition se déroule dans 5 villes. Mm-hmm. Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Si. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire se résume à ces 5 villes? Mmh. Il y a des Ivoiriens partout, à Bondoukou, à Mans, à, etc. Ouais. Et ces villes-là n'accueillent pas la CAN. Ouais. Mais est-ce que nous allons pousser nos frères qui sont là-bas à ne pas être dans la CAN? Mmh. Et donc, nous avons signé un partenariat avec l'UVIC aussi, qui fait de tous les maires les présidents des comités locaux, ouais, qui ont l'obligation dans chaque ville de Côte d'Ivoire de créer un village de supporters des éléphants. Wow. Donc, vous allez rallier ces villages-là pour qu'en prière, en pensée, nous supportons les éléphants de Côte d'Ivoire. Ici. Ceux qui ne veulent pas se déplacer, dans tous les cas, le plus grand stade, c'est 60 000 places. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes 30 000 personnes des dans la population, ici, des millions de personnes. Et donc, partout où nous sommes, nous devons pouvoir pousser nos éléphants à la victoire. À la victoire. Et concernant votre question, le CNSE a le maillot des supporters des éléphants. Yeah. Est-ce qu'on peut avoir un maillot? Ouais, on va faire entrer un maillot. Voilà, on va récupérer un maillot. Donc, bien sûr, on va lier l'acte à la parole et je vais me faire fort de réceptionner ce maillot-là. Et puis l'écharpe, bien sûr. Et président, avec votre permission, bien sûr. Merci. Attendez. Président, là, il va gérer. Attendez. Mais on ne donne pas maillot à ceux qui s'arrêtent au stade et puis ils attendent bus seulement pour prier. Non. Attendez. Vous savez, oui, président. Quand on est supporter des éléphants, la première règle, c'est ce qui est dans nos devises. Si. Union, discipline, travail. C'est la discipline. Ouais. Parce que quand on est supporter des éléphants de Côte d'Ivoire, nous représentons la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Mmh. Et donc, nous devons être dignes de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et par conséquent, à tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, surtout à notre jeunesse, nous devons accueillir le monde entier. Mmh. Nous devons être responsables. Donc, nous demandons à tous les supporters d'être des supporters responsables. Responsable, ouais. Des supporters responsables. Le supporter responsable, c'est celui qui sait qu'il va pour supporter son pays, ouais, et qui ne répond pas aux provocations. Mm-hmm. C'est le supporter qui va les yeux limpides, mm-hmm, qui ne va pas sous l'effet de quelques stupéfiants, mm-hmm, ou de la boisson. Mm-hmm. C'est le supporter ivoirien qui ne fait pas de la bagarre et qui n'accepte pas la bagarre. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Mm-hmm. Et nous allons recevoir les gens en paix et faire la fête avec eux pour leur montrer qu'en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. Abidjan est zo, la Côte d'Ivoire est zo. Est zo. Ici. Merci. Attendez, président, parler. Et donc, pour ça, nous avons conçu un concept que nous avons appelé, ouais, la fan attitude. La fan attitude avec éléphant. Parce que nous sommes fans des éléphants. Bonjour, donc, on dit éléphant. Voilà. Et nous avons la fan attitude. Ouais. Il y aura en vente des t-shirts fan attitude pour saluer tous ceux qui arrivent, mmh, parce que nous recevons le monde, nous recevons la Côte d'Ivoire. Ouais. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a tous les pays ici. Mmh. Tous les membres des autres pays, la population des autres pays vivent en paix chez nous en Côte, mmh, d'Ivoire. Et nous allons leur montrer que c'est véritablement le pays de l'hospitalité et nous faisons la fête. Il ne faudrait pas que l'enjeu tue le jeu, parce, ouais, que c'est d'abord une fête du football. Et nous accueillons le football ici, nous accueillons le monde entier sportivement et nous allons leur démontrer que l'Ivoirien, c'est le meilleur. Hé, viens dans ce rapport. Attends, calmez-vous.
vous voyez comment la Côte d'Ivoire, c'est doux. Ouais, ouais, franchement, c'est chic. La Côte d'Ivoire, c'est doux. Ouais. Et c'est l'occasion de dire aux autres pays où nous sommes allés, où souvent nous nous sommes fait molester, que nous le recevons avec le cœur et les bras. Ouais. Nous, on ne connaît pas ça. On a déjà tout pardonné. Ce que nous, on veut, là, c'est la coupe. C'est cela. Le reste, là, on s'en fout. Ouais. On avance. Président ! Donc, au nom du comité exécutif du CNSE et de tous les membres du comité de supporters des éléphants, nous faisons de notre frère Willy ambassadeur du CNSE pour continuer. Vas-y. Si tu pars, tu vas pas avoir maillot. Voici vos. Les supporters des éléphants, voici votre maillot. Yeah. Prési, prési, faut ajouter. Attendez, faut ajouter un maillot original. C'est un maillot original. Et il est à la portée de tout le monde. Tout le monde. Il est à la portée de tout le monde. Le prix maximum de vente est à 10 000 francs. Parce que. Le chef de l'État veut que toute la jeunesse, tous les Ivoiriens puissent avoir un maillot pour aller pousser nos éléphants à décrocher la troisième étoile. Et ça sera grâce à vous, grâce aux supporters des éléphants. Merci, Président. Merci infiniment. Merci d'être passé sur le plateau. On fait du bruit encore, s'il vous plaît, pour le Président. Comité exécutif du CNR. Oui. Alors, ce qu'on va faire, Président. Il y a une surprise pour vous. Oui, mais moi, je vous propose quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir les animateurs du CNSE ici ce vendredi avec nous, s'il oui, vous plaît. C'est la surprise que j'ai réservée à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Oui. Je me suis fait accompagner par un petit groupe du comité d'animation qui va vous offrir ce petit spectacle-là. Parce que quand les éléphants vont jouer, ils seront dans les tribunes et on va faire mal. On va les pousser à la victoire. Et toutes les équipes qui seront... C'est cela. Président. Toutes les équipes qui seront là seront écrasées parce qu'ils vont voir l'éléphant passer. C'est ça. Alors, Président, moi je souhaiterais vivement qu'ils viennent ici vendredi, s'il vous plaît. C'est le pardon que je vous demande. D'accord. Pardon. Si vous voulez qu'ils soient là le vendredi, ils seront là. Yo ! Merci, Président. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Et donc, en Côte d'Ivoire, au niveau du CNSE, nous disons... Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons un drapeau orange, blanc et vert. Nous avons une équipe qui va défendre nos couleurs lors de la CAN. Ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous vous invitons tous donc à être éléphants. Je vous remercie. Merci du fond du cœur, Président. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci. Et puis rendez-vous donc au stade. Rendez-vous partout où il faudra donc lancer un vibrant appel à tous les éléphants, pas seulement les joueurs, mais même aussi le peuple, afin de soutenir notre équipe, vous l'avez dit, jusqu'à la finale pour remporter notre troisième Coupe d'Afrique des Nations. Merci infiniment d'être merci. Passé. Nous merci. Et n'oubliez pas, les maillots sont à 10 000 francs, c'est pas 10 000. Merci, Président. Merci. Merci. Allez, la famille, on va terminer cette fête avec, bien sûr, le Zou Ramporio qui revient. On fait encore du bruit, s'il vous plaît, pour le maître qui dit bas. Kedja Mara. Merci. Merci les gars, merci. Allez, Kedja, on va regarder rapidement donc un teaser. On va dire deux teasers enchaînés en tout cas de toi, de ce que tu nous balances sur ce nouvel opus là baptisé donc Kedja Vara Attitude. Oui. Et puis tu nous diras pourquoi Kedja Vara Attitude. On regarde. Pour 10 000. Regardez.
danser pour 15 000. Danser, il va danser pour 10 000 francs. Regardez. Danser pour 15 000 francs. Kedjevara qui est avec nous. Kedjevara, la liste de ce que tu fais, en tout cas dans le secret, n'est pas exhaustive. Tu es le premier artiste urbain à t'être autoproduit depuis 2006. Tu es le premier artiste urbain à organiser ton propre concert en 2012 et plusieurs années après. Le premier artiste coupé-décalé à avoir un festival pour sa région, pour là où il a grandi, pour là où sa terre. Et aussi, surtout, le premier artiste coupé-décalé à avoir une société immense, bien sûr. Donc, c'est Habitat pour construire et loger des millions d'Ivoiriens, de personnes qui font l'honneur et l'amabilité donc, à la Côte d'Ivoire de vivre sur son sol. Et tu es aussi le premier artiste coupé-décalé à avoir une fondation avec, tenez-vous bien, plus de 100 millions de francs CFA comme don. Des ambulances, des couveuses, des arbres de Noël. Waouh! On va dire que la musique aujourd'hui, elle nourrit son homme mieux. Kedjevara aussi nourrit aussi, donc, on va dire, sa passion pour la musique. Oui, par la grâce de Dieu, il faut savoir s'organiser. Ouais. C'est pas ne pas se jouer le fou. Si, si. Puis ça va aller. Si, si. Mm. Justement, sur ce nouveau bijou sonore, là, on va écouter Enfant sonore. C'est ça. Ce titre-là, si je ne m'abuse, c'est une invitation à danser. Oui, c'est voilà. Le titre coupé-décalé. Ouais. De l'EP, c'est avec le groupe TNT. Avec le groupe TNT, voilà, effectivement. Parce qu'il faut valoriser ce qu'on a chez nous. Si, si. Je me suis dit, pourquoi aller chercher ailleurs? Je préfère faire la part belle à TNT. À TNT, effectivement. Un groupe en pleine émergence, ouais. Pour m'accompagner sur ce titre. Et le clip va sortir sous peu. C'est le seul titre coupé-décalé, si, si. Sur l'EP, parce que nous avons un titre en Madinga. Pour faire honneur à Yule, ouais. Boningo, ouais. Jezoa Inter, Debaro, tous les gars de la côte. Voilà, voilà, je suis en Madinga comme ça. Effectivement. Et voilà, il y a un titre Amapiano, Amapiano aussi, un titre en Zouglou, si, si. Et un titre en Zoblazo, le titre yeah. Ivoirien. Yeah. Ce n'est pas un titre de la Cannes, c'est un titre ivoirien pour la Côte d'Ivoire. Si, si. Mais on profite de cette lucarne qui est la Cannes, ouais. Pour faire passer le message, pour dire que bon, être ivoirien, un peu ivoirien, petit ivoirien, avoir un ami ivoirien, c'est une grâce. C'est la même donc, chose. Si, si. Il faut être fier de ça. Quoi. Voilà. Wow, c'est tellement bien dit, en tout cas. Et puis, tout juste après aussi, on a un autre son encore qu'on va écouter en fond sonore. Non, pas maintenant. Il y oui, en a d'autres. Ça. Voilà, ça, c'est le... Appeler pompier, Amapiano. Pompier. Ça, c'est le Lama Piano Amapiano. Que tu vas nous jouer ici dans quelques instants seulement. Non, non, on écoute juste. On écoute juste. Ouais. On monte un peu le son encore. Hey. Yeah. On fait du bruit pour Kedjevara, s'il vous plaît. Wouh yeah. Bon, c'est bon, c'est bon, le comité, c'est bon. Merci. Allez, Kedjevara. Là, il y a un fan club qui s'est créé en même ouais, temps que Kedjevara. C'est bon, c'est bien, hey, t'attends à la sortie. T'es dans plein même. On ira faire le clip ensemble yes parce que d'ici I. là, on va yes t'aimer le clip de ah ouais. Il ah, y a la suite du clip tout à l'heure. Super, oui, super. Et ça, le clip, comment tu le vois? C'est vrai, c'est un mot dans ma piano, pardon, mais je sais que tu es toujours... fin de, ouais. de ta terre, de ta culture. C'est je sais ça. Qu'il y aura forcément des pagnes, il y aura forcément oui, des foulards. Ça va être un truc de fou. Ouais. On ne veut pas tout dire parce que vous savez, il y a trop de tricheurs, ils sont très regardés en cachette, ils vont nous dévancer. Donc si, vous si. Laissez comme ça. Si, si. Ça. Yes, I. On va découvrir deux autres titres ici encore tout à l'heure, ce sera enchaîné. D'accord. Voilà, Kedjevara, mais qu'est-ce que tu as à dire à tous tes fans donc, qui voient ce nouveau. DJ Kedjevara, voilà, j'étais un peu absent à cause de mes activités, ouais. Mais là, je suis de retour. Avec un nouveau bébé aussi. Trois fois Ballon d'Or. Oui, avec Joao Nguessan King. Yes, je salue mon amour, maman Raphaël, Désiré. Plein de bisous à elle. Et dédicace à maman Antoinette Alani. Yes, I. Voilà. Yes, I. Donc, on adore voilà. En tout cas, c'est clair. C'est ça. Donc, c'est, l'album arrive en 2024, un album ouais. De 18 titres. Non, on a juste lâché 5 titres. C'est offert gracieusement, gratuitement, wow. Passé y Habitat. Donc, à partir de samedi, dans toutes les stations, ça sera distribué gratuitement wow. Avec des clés wow. Partout, des rollers, wow. Des caravanes pour distribuer. Ça, c'est offert par CI Habitat. On c'est va pas, dire que c'est le premier artiste coupé décalé qui fait sortir qui offre, un EP voilà, et qui l'offre gratuitement. Wow. En attendant l'album qui arrive sans doute en 2024 avec un si, concert si. À l'Ivoire. Yeah. Et si ça cartonne, ça va le faire. Au stade de Bimpe en fin ça va le faire. Parce que tu le mérites, Kedjevara. Ouais. Tu le mérites. Merci beaucoup. Et je vais demander à Kedjevara de nous retrouver ici maintenant. Kedjevara, quand vous voulez, c'est parti. Feu. Yes, I. Le Madinga est dans la place avec Kedjevara. Et Mandjedi, Sokofina yo mama. Allez. Soki amu sala, soki amu deni. Soki amu sala, soki amu deni. Ça c'est mon bébé. Quand
quand elle est saoulée. Ça c'est mon bébé oh. Quand elle est saoulée, elle va danser pour 10 000. Machiala, regardez, danser pour 15 000. Elle va danser pour 10 000 francs. Danser pour 15 000 francs. Voilà ça. Pour 10 000, regardez, danser pour 15 000, machiala, danser, il va danser pour 10 000 francs, regardez, danser pour 15 000 francs. Faut prendre position pour danser pour 10 000. Machiala. Allez, danser pour 20 000 francs. Faut garder le coin et garder pour 10 000. Regardez. Oh, danser pour 10 000. Bébé Choco, faut pas t'embrouiller. Il faut t'enjailler. Oh. Faut prendre position pour danser pour 20 000. Machiala. Regardez. Danser pour 10 000 francs. Il va danser pour 10 000 francs. Regardez. Danser pour 15 000 francs.